Enregistre le laissez parti. C'est parti les amis, 32e de finale, Désolution versus FW Gaming. On est sur le tournoi Glory for Gamer du lundi, le Nasty Monday. Comme vous le connaissez, on est sur PlayStation 4, Call of Duty Advanced Warfare, G4G, Deserto. Alors je vais remettre les petites dans les petites options. Normalement, info console, non, c'est pas ça. Luminosité, option sonore. Alors on va se remettre un peu. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a eu un petit problème juste avant. Donc, on va le remettre un peu plus fort. C'est pas grave. Donc, on est sur le tournoi du lundi 6 avril, il est 20h22, 32e de finale. Les désolutions du côté Sentinelle contre les FW Gaming du côté. Atoulasu. Et voilà, et c'est parti. Et pour l'instant, les désolutions 42 à 0. Ils vont prendre. Ils ont presque pris. Ils ont pris presque 50 points du premier P1. Du premier point stratégique. C'est plutôt sympa. C'est plutôt bien joué de leur part. Alors, dites-moi sur la qualité. Parce que est-ce que la qualité est bonne quand ça bouge, etc. Parce que j'ai regardé les VOD. Est-ce que la qualité est bonne? Parce que je peux le mettre en meilleure qualité. Mais c'est vrai que. Le souci, c'est que. Après, il y a des gens qui ne peuvent pas le voir. Donc je préfère faire comme ça. Après vous me direz dans les commentaires, etc. Si j'augmente la qualité de la vidéo ou pas. C'est vous qui allez me dire tout ça. 72 à 0. Le début de la première scène. Je comprends pas pourquoi. Voilà, parce qu'il y a une déco. Il y a eu une déco du côté des FW. Donc ils vont recommencer à 72 à 0 pour l'instant du côté des désolutions. Voilà voilà. Et c'est reparti, vous inquiétez pas les Mickey Star pour dire le bracket, etc. On est dans la deuxième partie de ce 32e de finale, de ce point stratégique sur Biolab. Les désolutions versus les FW Gaming. Pour l'instant, les désolutions, ils avaient pris 72 points d'avance lors de la première, avant la première déco, puisqu'on a y a une déco juste avant, donc on va repartir. Et donc ils doivent marquer, je vais vous dire ça, voilà, ils doivent marquer 178 points s'ils veulent y arriver. Et bien sûr, à partir de 178 points, ça sera les DZN qui seront menés vainqueurs. S'ils n'arrivent pas à faire ça et que les FW Gaming arrivent à mettre les 250 points, et bien ça sera pour les... La manche sera prise pour les FW. Voilà, voilà. Donc vous savez tout. Alors les DZN là pour l'instant du côté Sentinelle. Ben, qui commence bien, encore une fois. Je vous rappelle qu'ils ont 72 points d'avance. 24-10 pour l'instant. Une vingtaine de points d'avance pour l'instant pour les DZN. Ça commence plutôt pas mal. Tranquillement, hein. C'est un début d'une game tranquille. Détraqué du côté des FW. Voilà, qui va faire un bon kill. Qui joue l'air là. Pour l'instant, le triple kill qui est passé du côté des FW. Alors, ils ont le spawn vert. Ils ont spawn vert. C'est pas le meilleur spawn. Voilà, ils ont fait le triple kill, enfin le double kill je veux dire. Allez, rapid flower qui va être fait, essayer de faire quelque chose, flower. Ah là, il va faire le kill, très bien joué sur Ice, mais il va se faire sortir. Alors voilà, le spawn vert c'est pas la meilleure, il faut vraiment, c'est l'un des meilleurs spawns je trouve, le spawn vert. Alors qu'est-ce qui s'est passé? 43-17, est-ce qu'il y a une deuxième déco? Mais normalement je crois qu'ils ne connaissent pas. Ah, c'est une déco chez DZN. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais normalement... Je regardais les règles, quand même. Donc, on va repartir, hein, peut-être pour une troisième fois. Donc là, il y a eu 43-17. On va le marquer, 43-17. Là, c'est un peu... C'est parti, troisième partie de ce HP Biolab. Pour l'instant, on est en 32e, toujours en 32e de finale. FW Désolution versus... Non, FW Gaming versus Désolution. C'était les Désolutions qui ont accumulé le plus de points là pour l'instant, durant ces 115 points à 17. Donc c'était le résultat des deux premières décos. Il y a une déco dans chaque équipe, donc maintenant, à partir de maintenant, dès qu'il y a une déco, on n'arrête plus le match, on continue jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Bon, jusque là, tout va bien.
Et c'est les DZN là qui sont bien. Ils sont bien partis. Ils sont chauds dans la game. Comme on dit. Ouais, il est chaud dans la game. Kios qui a fait un double kill. Alors apparemment. Apparemment, à ce que j'ai vu dans les règles compétitives, prochainement, normalement, il devrait y avoir interdiction d'avoir l'exoplanage, comme il utilise Chaos. Interdiction de tir rapide, exoplanage, normalement, les batteuses devraient être interdites aussi, à ce que j'ai vu. Alors, je sais pas, ne me demandez pas si c'est une histoire, machin, mais non, mais c'est un poisson d'avril, parce que c'était sorti en poisson d'avril, moi, je veux bien. Mais, c'est ce que j'ai vu, donc je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Et pour l'instant, les DZN qui contrôlent là, pour l'instant, voilà, en plus, ils arrivent à carry le bon game. Alors, le bon side, voilà, ça spawn là, ça spawn très bien, mais voilà, le problème, c'est qu'il faut absolument que ça spawn pas vert, parce que, pourquoi il faut pas que ça spawn vert? Il faut éviter de spawn vert, tu voyez, là, voilà, DZN là qui va, Matt, oh là 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 là, Matt, qui a fait le bon double kill, qui a tombé, Niren qui a tombé sur les balles de Kira. Donc là le but là vraiment de ce point stratégique à mon avis c'est vraiment, alors pour l'équipe qui n'a pas le point stratégique, c'est de prendre le vert, de passer au vert. Pourquoi passer au vert? Parce que en fait quand on passe du vert, moi je trouve ça plus facile de passer au vert parce qu'on peut monter sur le toit. Clairement, donc voilà. Donc on n'oublie pas les désolutions, 32e de finale, toujours sur le tournoi Glory for Gamer du lundi 6 avril, le Nasty Monday comme on l'appelle. Et donc maintenant voilà 80 à 13. Alors je vous rappelle qu'il leur faut, je vais vous dire ça. Les désolutions, il leur faut 135 points et normalement il gagne ce point stratégique. Donc ils sont très proches, il leur reste plus qu'une trentaine de points là, voilà, une trentaine de points là pour arriver. Et là pour l'instant les FW Gaming qui ne peuvent absolument rien faire, les pauvres. On les a vus, les FW Gaming, ils étaient pas mal sortis, je crois qu'ils avaient un peu avancé dans le tournoi. Mais il faut continuer hein, de toute façon, hein. Ça c'est toujours pareil, hein. Vous savez, vous connaissez la chanson, hein. C'est travailler, les clés du succès, travailler. Et vraiment travailler, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, même d'équipes de bon niveau qui se posent sur le bon niveau et qui ne font que jouer des TS. Et moi je trouve pas ça la bonne solution. Je trouve que la bonne solution c'est le travail. Et une fois qu'on arrête, une fois qu'on a travaillé, alors, une fois qu'on a fait ce travail, eh bien il faut jouer. Il faut jouer et être stable. Donc voilà, donc là pour l'instant les FW, les Désolutions, qui viennent de gagner cet HP. Donc peut-être qu'on va continuer à suivre. Là pour l'instant bon Chaos hein, qui fait du 13-2. Là pour l'instant ils sont bien les Désolutions. Les FW Gaming qui ont vraiment beaucoup de mal. Mais bon hein, comme on dit souvent, hein, il faut. Oh là là, Chaos qui enchaîne, Chaos qui a bien enchaîné là pour l'instant. Dommage. Et là je comprends pas, ça bouge pas forcément beaucoup. Là normalement ça devrait être des... Allez, il faudrait normalement que ça fasse qu'ils arrêtent et qu'on parte en recherche et destruction. Alors, est-ce que ça va arrêter la game? La gamme? Est-ce que ça va arrêter la gamme? Ben, je ne pense pas. Voilà. 206 à 13. Peut-être qu'ils vont essayer d'aller au 250. Mais bon, les désolutions là, quand même, et il faudrait qu'ils arrêtent et qu'ils, voilà, qu'ils relancent. Ça sert à rien de faire continuer le supplice. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, nous on va arrêter la VOD. Victoire des Désolutions et on va partir tout de suite en recherche et destruction. Ça au moins ça fera une vidéo un poil plus courte pour pas trop vous embêter sur YouTube.